Article suivant. Digne-les-Bains. Une autostoppeuse. Alors là, cette news, moi, elle me fait trop bader. Mais en gros, c'est vraiment, c'est toujours pareil. C'est toujours cette histoire de la destruction de la confiance entre tous les citoyens qui s'accumule au fur et à mesure du temps. Si tu les. Bon, après, il faut lire les news. Mais là, maintenant, moi, je ne prendrai plus jamais personne. Bon, c'était déjà le cas. De toute façon, j'ai toujours du mal avec ça. En autostop, quoi. Digne-les-Bains, une autostoppeuse suspectée d'avoir menacé avec un couteau son chauffeur pendant plusieurs heures et de lui avoir demandé de faire un détour afin de récupérer des stupéfiants dans des quartiers de Marseille. Oh, Marseille, hein. Un homme originaire du pays d'Ignoin assure avoir été. Putain, mais Digne-les-Bains, quoi, c'est vraiment. Putain, moi, je lis des trucs sur les fleurs et tout, sur les essences et tout. Digne-les-Bains, la capitale, avec Grasse pas loin, la capitale de la production des fleurs, Digne. Et maintenant, c'est ça! C'est trop triste. La Provence de Marcel Pagnol qui disparaît chaque jour. Un homme originaire du pays d'Ignoin assure avoir été menacé par une femme armée d'un couteau durant de nombreuses heures, a appris BFM d'ici. Selon nos informations, les faits se seraient produits ce week-end entre Digne-les-Bains et Marseille. Un homme a pris en stop une femme qui prétextait qu'on rencontrait un problème de véhicule. Une fois dans l'habitacle, cette dernière n'aurait pas hésité à sortir un couteau pour menacer le chauffeur. Selon l'automobiliste, donc même les femmes, hein, en fait, c'est ça le truc. Selon l'automobiliste, ils sont allés à Marseille pour un important retrait d'argent et ont effectué des passages dans différents quartiers de la ville afin de récupérer des produits stupéfiants. C'est seul, à son retour de Marseille, que l'homme a décidé de déposer plainte. 20 jours d'incapacité lui ont été délivrés pour l'impact psychologique d'une telle virée. BFM TV, merci à Rémi. À partager, hein, ça fait peur un peu quand même. Hein. Ça fait peur, ça fait peur, ça fait peur, peur, peur.